Salut à tous, c'est Destroyer, on se retrouve sur Dungeons & Reptiles pour un nouvel épisode, l'épisode 16. Alors on va faire je sais pas si vous vous souvenez, on a parlé à ce gars-là, et apparemment il nous propose de faire un braquage de banque. Comme dans GTA, c'est parfait. Je pense que ça sera aussi bien. Alors regardez, apparemment la difficulté est pas énorme, c'est 3 sur 5, donc ça va être quand même un peu difficile. Au niveau XP, on va en avoir pas mal, et au niveau argent, apparemment on va en avoir des tonnes. Mais franchement, moi l'argent, ça me... Alors, j'en ai plein, donc j'ai peur, parce qu'en plus on peut le perdre. Je ne sais pas placer son argent, tout cas. Voilà. Enfin, son braquage de banque. Alors, le pauvre qu'on devait aider à trouver sa batterie là, je pense qu'il devrait la trouver lui-même, sa pauvre batterie. Parce que je pense qu'on ne la trouvera pas. Et apparemment, il y aura des mecs. Donc, il nous faut absolument des munitions. Parce qu'on a. Bien évidemment, quand vous affrontez des mecs, on en a affronté, je sais pas, dans le bunker chinois là. Là, on a affronté le big boss. Donc là, on va y aller. Là, oui, ça tombe à 400 combien? 406 mètres? Oh, come on, no way. C'est ici. Où est la banque? Allez, je suis là, la banque. Je pense devoir snapper toute la map. Oh, la méga blague, quoi. Ça fait de revenir en arrière. Hein. Je peux passer dans la main. C'est là, monsieur, son truc, hein. Ça l'a tué quasi, ça l'a tué en un coup. Vous avez vu la puissance de ce truc un peu? Ça dénonce. Et alors, on va essayer de redescendre bien gentiment en faisant un petit saut tout gentil. Et voilà, et on passe tranquillement à travers la texture. Parfait. On va bientôt passer un niveau. Alors, j'espère que, je sais pas ce qu'il va falloir faire, mais j'espère que je vais enfin pouvoir débloquer ce foutu truc là. Parce que j'en ai vraiment envie là. Oh bah tiens, quand je vous avais dit qu'il allait y avoir un truc, je n'avais pas croisé un truc, mais masse fiable. Hein. Est-ce que je prends ça? Oui, c'est quoi je prends? Ça m'en fera déjà une. J'espère que je vais attendre un peu avant d'en faire quelque chose. Bon, c'est bon, on se rapproche du truc. Ah, il y a encore quelqu'un à sauver là. Je vois. Ça va, je suis pas tout à ce point. Il a baissé. Il a fait un c'est bon, le mec. Voilà. Il y a quelqu'un qui va être content. Alors, j'ai fait deux autres quêtes, mais j'ai pas l'impression que ça ait compté dans les quêtes. What is electrified? Qu'est-ce qui est électrifié? C'est par là, non? Ah non, pas de tu. Mince. Alors je vais... Ah bah non, c'est cool, je vais me quitter là. Trop de caisses en jeu là, c'est de la folie. C'est bien, mais... Surtout pour ceux qui... chaque personnage a un peu ses capacités spéciales. Enfin, Pruna a une capacité qui est pas mal, qui lui permet de trouver des armes... de très bonnes armes beaucoup plus vite. Enfin, plus que... I'm trapped in the basement. You alright? Do I look all right? The electric panel is broken, and the water all around me is electrified. Ah ouais. You've got to find the panel and pull the fuse. Please help me. Ah, je peux pas aller, je suis désolé. J'ai le. Bon, c'est bon, on va le faire quand même parce que c'est sur la route. Oh my God! Thank you. The fuse box is on the first floor. You can get to it from the yard. Please hurry. Okay. J'aime bien le bruit d'électricité, là, regardez. C'est un mec qui drape un truc. How am I supposed to go in? If the door is fucking locked. God damn it. Oh, ça va par là. Ah, des boîtes de conserve. Yes. Ça, quand je vais revenir déjà. Oh yes, des boîtes de conserve. Oh yes, encore des boîtes de conserve. C'est très facile ça. Intéressant là, il y a quelques fruits, un briquet, une viande intéressante. Non, c'est bien, je trouve des bottes de conserve. Allez, voilà, c'est quoi ça? Torchon, ça c'est très bien, c'est torchon, ça sert à faire des cocktails molotov. Alors la cour est ici. Oh, je l'ai.
Où qu'il est? Ah oui, ah oui, je prends grenier là, mais je te vois pas. Ah d'accord, ok. Bon. Bah. Hein. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Je sais pas comment il a fait pour aller au-dessus. Ah oui, d'ailleurs, son pote là. J'avais plus de munitions, je te retire dessus, c'est pas grave. Alors. Ah! Ah non, il y a... C'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Il faut que je monte en fait. I know it's here. No, it's here. Oui. Comment je fais pour monter là? Il n'y a pas d'échelle? Pas de contrôle. Alors, on peut y accéder par la cour. Donc, je suis dans la cour. Normalement, je devrais trouver un truc avec un accès pour. Ça, c'est là, en attendant, je les reconnais. Faut que j'aille là-haut. Comment je vais là-haut? Par ici. Bah oui. Tout simplement. Par ce petit jardin très joli. Bonjour, monsieur. Oh, génial. Hop, c'est mort. Il est mort. D'accord, alors, ah bah c'est par ici. Faut que je farce, encore je farce le farx, que je farce le jump. Alors, je pense que le faire par ici, c'est une connerie. Là, il y a pile deux machins. Je pense que ça va m'aider à faire le super jump. Ouais. C'est bien calibré, hein. Un peu trop tôt ou trop tard, c'est fini. Non, oui, on va faire le... Non, l'argent. Ah, c'est bon, j'ai récupéré. Oh, je vais te lancer la petite dame. Là, et tiens, on peut être trop cool, j'imagine. On va passer un tour. Je suis carrément en fou dans la pièce, quoi. Ah, c'est un jeu qui défoule, là. Il défoule plus que j'étais, d'ailleurs. Hein. Locked. I need a key. Yeah, I need a key. Doucement, doucement, doucement. Pardon, je peux se réveiller, oui. Oh, il arrive où là, là? Il arrive! Ton sort à cœur. Un peu de soleil, je pense que j'ai le temps. Non, même pas ça. Plus rapide. Pas trop nécessaire à cet âge-là. C'est nombreux quand même dans cette petite pièce. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, j'ai un peu tapé les bords du truc. C'est pas l'idéal. Regardez le truc, c'est. Regardez, ah ouais, non, j'ai cru que c'était. Ils étaient apparus. Oh, allez là. Comment je fais là? Je vais par où là? Comment ils. Je peux la clé, mais elle est où la clé? Ils sont gentils là. Bah, c'est bien là. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Putain, qu'il y a la clé? Non, même pas. Encore un casse-tête. Où est la clé? Ah! Retirer la... Ah d'accord, ça bloque le truc. Ok d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Cette gentille madame qui doit avoir la clé. Elle va peut-être avoir une clé. Comment ça s'appelle? Serveur de Nina. Madame, elle aura sûrement une clé cachée dans le... Exactement. Et là, c'est quoi? Faut tout souvenir. Cool. Pouvoir fermer quand même. Je crois qu'il y en a un qui repop. Non, c'est ça que je voulais ouvrir. Voilà. Voilà.
Donc maintenant, il y en a deux en dessous qu'il faut dégommer. Ça, ça devient parfait. Un peu de marceau tel ça, là, c'est pas mal. Et on a accès à ces deux trucs-là. Donc, on va prendre les feuilles, et du coup, ça s'ouvre. You did it! Yeah. Thank you so much! Well done. Take this. It's not much, but it's all I have to give. I need to get out of here. Find someplace safe. Maybe I'll try Cecil's hospital in the hostel by the town hall. Yeah, un hôpital aussi, mais c'est gigantesque, c'est une fille. Pied de biche formidable, c'est formidable. Je suis pas un grand fan de pied de biche. Hein. Ah! Voilà, deux fois, ça fait moins d'un coup là. Mais pourtant, il y a un. Bon bah, j'ai enlevé les. Il y a un coffre là en plus. Ah, mais en fait, c'est de la plateforme, d'accord. Est-ce que je serais assez con pour. Je crois que. Oh la vache! La porte m'a carrément poussé quoi. Doucement. Qui va monter, oui. Mais monte déjà! Allez, faites pas chier là, j'y suis. Ah, on y open this puppy up. Bien fiable. J'ai le bras assez long. Je ne peux pas taper le diable. Je vais sortir. Il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Après, c'est le coffre à lui qui est plus intéressant. Donc maintenant, on n'a pas tout à fait fini notre quête, j'ai l'impression. Cette fois, on n'en a toujours pas. Alors. Elle a fait couper les parties où la nana ? Elle a sauté ou quoi ? Elle est partie, bon bah viens. Il y a un côté parcours un peu là. Hein. J'ai remarqué, vous savez, un peu comme dans Mirror's Edge, d'ailleurs, un jeu que je vais vous faire en let's play aussi. Ça, c'est les Yamakasi qui font les sauts sur les murs, tout ça. Parce que Dead Island 2, après cette. Pourquoi je n'arrive pas à passer là? Putain, c'est pas vrai. Je suis bloqué par un arbre. Alors, quelle vitesse? Non, je ne passerai pas ici. Il me faut un truc. Je n'ai pas. Donc, on va faire ça. Non, on va faire ça. On va faire machine arrière. Et on va se retourner vers la banque. Qu'on devait faire quand même au départ. Quête. Où est la banque? C'est la première partie. Pas du tout bon endroit. C'est un hurleur là-bas. Le premier hurleur était facile à battre. Les autres étaient plus. Parce que j'ai monté le niveau aussi. Je suis bientôt full. D'argent serait bien tout de même. Je vois le même mec en pantalon bleu là. L'autre, je suis là. C'est chiant en fait là. Mince. Oh putain, je suis même pas. Ouh, le petit bras. Boum, headshot. Aïe. Il est tombé, le mec, il m'a tellement foutu un coup fort que j'ai pété la gueule après, quoi. J'ai tiré de l'eau. Continue. C'est bien, on a un panneau là. Alors, tu veux le panneau, tu peux le passer par l'autre. Hein. Alors, banque, je pensais par la banque dans l'Erson, c'est par là. Mince. Regardez ce monsieur là. Oh là. Doucement. Oh ouais. Un petit 3 quoi. Wow. Elle a un petit là derrière. Encore un quatrième! Ah
soit vraiment mort. Non, effectivement. Ouais, si vous êtes perdu, relisez les panneaux, hein. Pas inutile. Pas comme un certain jeu où il n'a dit que rien. This was a promenade. I saw this in the brochure too. Sure as shit didn't look like this. De la banque, on se rapproche. Alors, y aura-t-il un spawn infini de. Un spawner de. D'infecté là, de runner. Oh, oh, je l'ai mis, toi. Patate qui m'a mis, le mec là. Poisson. Énergisante, voilà. Il a de quoi aller filer de l'argent, voilà. Ça fait moi. En ne pas tomber sur des. Sur un hurleur. Et j'ai pas très stylé. Disque d'athlète, très bien. Parce que d'ailleurs c'est ce qu'il y a sur ce, le truc tête sale, oui, c'est ce que des machins en dessous là, c'est disque d'athlète, je crois. Ah bah il y a un truc à éviter qu'on sait pas trop pourquoi, il va sûrement y avoir un machin. Attendez. C'est bien, il y a les panneaux, ça c'est vachement bien ça. Bien, je vois pas bien avec la pluie en plus. Hein. Non. Hurleur, non. J'ai entendu une hurleuse. Allez, à côté. Je récupère juste. Mince, si je récupérais. Ma traque énorme, je m'en fous, je la virais. Carte inventaire. Ma traque numéro 2. Ok. On se rapproche de la main là. Ok. Où est-ce? Je vais la repérer, elle fonce dessus en fait. Ok, c'est la merde totale. Non! Oh putain, j'ai encore potentiel. Mais remets-toi. Oh mais putain, mais pas un cocktail à me tuer ici. Ah! Mais putain, je peux même pas me remettre de la vie. Putain, il a fait défoncer. Fait chier. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Oh, ça roule, hein. Ça tombe le ventre, vous voyez. On va pas une balle. J'ai tué ou pas, là? Pas du tout. Je vais te défoncer, ma vieille. C'est plus rapide en plus. Masque de. J'aurais dû utiliser le canabo parce que c'était cette nana. Maintenant la fait. Y'a que sur la banque. On se rapproche. Ok. On va prendre une poche. Voilà. Quoi? Qui ça? Sors de toi. M'explique. Non. Hop, on va récupérer. Il y en a un, putain.
pas loin de la banque. Bonjour. Oh, ça va un truc. Enfin, ça va, ça ne m'intéresse pas. Bonjour, monsieur. Oh, thank you. Welcome. Oh. Here, take this. No, 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 go on. You can have it. Yes, 44. Peut-être toutes les quêtes ne comptent pas comme des... C'est intelligent ce que j'ai fait là. Normalement, je devais prendre le... En fait, le bouton du prendre le truc était le même sur le truc. J'ai pas vu la ligne un peu bêtement. D'accord. J'ai pas super bien géré pour le... Voilà, oh, un fruit. Je sais que manger des fruits, c'est un peu pâle. C'est la deuxième heureuse que je tue, c'est bien. Entrepôt infecté. En fait, il y a plein de lieux secondaires, un peu comme enfin, des lieux. Intéressant. J'ai un peu perdu mon truc, moi. C'est par là, 14, 114. Carte, on peut aller au pif. Je suis là. Là, en arrière. Par là. Voilà. Là, ce que je vais. Quoi, 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 quoi? Non, pas notre hurleuse. Toujours une hurleuse, c'est que des hurleuses, hein. Il n'y a pas de hurleur. Pas loin. Il y avait quand même des repos. Il y a eu un peu de stress qui s'est arme. Je vais jamais perdre ce mec. Je les tape. Mais vous, sinon, vous êtes foutu. Ils sont nettement plus rapides que vous, donc si vous les perdez, ils peuvent vous prendre des vitesses très facilement. Nous, on va continuer par là. On se rapproche de la banque. Ah bah oui, c'est là, on arrive devant le truc de cinéma. Bien ça. Quand on se rapproche. Et qu'on a... Oui, bah c'est ça. Wow, wow, wow. Pas le gros méchant, j'entends qu'il est que, il apparaît que quand on est dans le cinéma. Pour nous dire si tu vas descendre, c'est facile ou tu te fais défoncer. C'est bien, je vois où on est là. On va faire ça rapide pour monter dans le cinéma, c'est pas mal. Ah non, pas du tout, en fait, il aurait fallu. Je sais pas si c'est accessible, mais en tout cas, c'est pas notre. C'est un objectif. Ah, on va peut-être vous en avoir. Ils sont faciles à battre comme ça, mais ils sont très très difficiles, ils sont tous très difficiles à tuer ces gars-là. Je vais devenir un film solide, yes. On va être encore obligé d'améliorer une de ces deux conneries de trucs là, et après on devrait attendre de. Je pense en avant de tuer une avec une arme de lancer, mais c'est nul ça! Bon bah je vais pas aimer ça parce que les armes de lance c'est efficace. Et voilà, la prochaine fois je vais pouvoir améliorer ça. Oh yes. Niveau 68, j'améliorerai ce truc là et là je serai content. Après tout le reste sera vraiment accessoire. Tuer avec une arme à deux mains permet de gagner plus de rage. Je vais faire ça. Lorsque je voulais améliorer, la dernière fois j'étais dans le.
bien intervenir et être ennemi. Sinon, c'est nous qui avons. Partez. Il va y trouver. En tranchant, en faisant 10. Voilà, c'est un petit temps de entre deux attaques pour voir s'ils vont nous réattaquer. Je vais prendre un peu leur, leur fonctionnement. C'est extrêmement important. C'est de plus en plus rapide, j'ai l'impression. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, c'est bien. Town's flooded too. I just hope another storm don't hit. Parce que c'est un problème, hein. J'ai l'air de tuer aussi quand je l'attaque comme ça, ils sont plus faciles à tuer quand ils sont à deux. Un peu dans les bras, ils peuvent encore vous foutre des coups de tête, hein, et vous mordre. L'arme en or, mais c'est une arme de folie, quoi. Quelle que soit l'arme en or que vous avez, c'est forcément une seule qui va servir. C'est l'arme fantastique. Je vous laisse imaginer le katana. Par la carrément, il fait 2000 de dégâts. 2000 de dégâts, vous vous rendez compte? Non, vous n'arrivez pas compte. Faut jouer à ce jeu là pour se rendre compte. Alors, oh bah tiens. Pile au moment. Je voulais me taper pas. Bataré. Petite biche. Qu'est-ce que je fais avec cette petite biche? Je ne sais pas. Oh non. C'est quoi? Yes. Bon vin. J'ai l'impression que la récupération. C'est plus important que la base. C'est un foutu truc là. J'ai l'impression que ça n'a pas du tout. Pas du tout gardé le truc. 59 000 de dollars, c'est de la folie totale. Bon, j'avais 1 million de dollars hein, sur des médailles à l'heure. J'avais des trucs aussi, j'avais de l'argent. Je mourrais très peu dans l'air, mais souvent dans les bonnes armes, je mourrais quasiment jamais. Donc, du coup, j'ai perdu très peu d'argent. À part pour les armes, il y a autre chose. Boom, headshot. Je vais porter mes petites lunes. Partez. Vous avez vu le morceau de crâne qu'il y avait là. Putain, couteau de. Elle m'a parlé de boucher un couteau de chasse. On a fait ça là. Voilà, hurler de douleur. J'aime quand les ennemis hurlent de douleur avant de les passer. C'est aussi que j'ai fait du bon boulot. Alors, voilà. Et là, nous avons les lunes. Le fusil. Et le pistolet. Prenez votre temps, monsieur. Dans la... ouais, là, on est plus qu'à 28 mètres de là. C'est là. Plus qu'à 28 mètres de notre objectif. Pour les armes à feu, ce qui est pas mal, parce que sans armes à feu, et voilà, c'était ça. Je visais bien cette banque, on doit forcément pouvoir y entrer. Je vous avais dit d'ailleurs dans l'épisode précédent, et on y rentre. Un plan parfait, entrer dans le bâtiment. À mon avis, ça n'a pas été si parfait que ça, il y a l'air comme mec. Je crois que la mission n'était pas si difficile que ça en fait. Vous pouvez voir les quêtes suivies par les joueurs en coopération avec lui, oui, ça je sais. Alors vous verrez, hein, quand je ferai le mode multijoueur, hein, qui est un mode tueur qui est intégré dans le mode histoire, ce qui est vachement bien d'ailleurs. Même ce type de mode tueur est tellement bien qu'il a été repris pour Assassin's Creed Unity. Vous pouvez faire l'histoire avec 4 autres personnages.
que l'univers d'Assassin's Creed, je suis un grand fan du truc. Hein. J'ai toujours trouvé ça complètement nul. Yes. Je vais pas avoir le trou, regarde, il y a juste une salopette. Il y en a qui sont très très chauds à tuer, c'est les militaires qui sont venus infectés. Ils ont des jeunes pare-balles, ils ont une résistance. T'as repéré ou pas? Probablement je sortais. Vous m'aviez vu là, j'ai carrément avec elle mon siège. C'est un test très important là, mais là. On va un peu spécial. Puis on va. Parce que si les mecs à queue, je pense que. On va avoir besoin de nos armes à feu. Alors on a la carabine. Le fusil, on va le mettre. Là. On va prendre le pistolet que j'espère que je ne vais pas te donner. Enfin, pistolet de massacre. Je peux le recharger. Mais il est fou là. Le pistolet un peu. Pistolet de massacre. Moi aussi j'aurais dû crafter. Tu sais que tiens mon âme. On veut pas de fusil de fiable. Je vais plutôt prendre le fusil à colle. Il est ça. Il est un fusil. Je veux le fusil. Voilà. Donc la carabine. Ah, nettement moins de munitions. Voilà, parfait. Ça me rappelle le supermarché dans Dead Island. Je fais des références à... Ah, c'est très gros quoi. C'est peut-être un peu gros. Cette vitesse là, non, c'est dans le feu, bien par ici. Voilà. Oh, mais putain, il y a encore plein de vie là. On peut lancer la tâche quand même. Je vais le passer celui-là parce que ça va être quand même vider toutes mes. On fait un peu une écolière dans le bureau. Et je rigole. Ah, c'est pas trop mal ce que je viens de faire. Anything good in here? C'est clairement piégé là. Ah, est-ce que je peux faire ça? Pourquoi j'ai cassé la vie? Pourquoi est-ce que je suis foutu à couper la vie? Pour qu'il puisse rentrer là. Oh, j'en ai plein, je peux y aller. Parce que le feu s'additionne à notre feu et ça me. C'est-à-dire, moi je me bats les steaks. Et du feu, non, pas de soucis, je suis à badass. Fuck! Ah,
j'ai quand même foutu un sac. De barbelé avec du château de... J'ai pris un porte-manteau sans déconner, non, je suis pas fétiché du porte-manteau, ça sert à rien ça. Donc, ça sert à comme arme, c'est un peu délicieux. J'ai vu le porte-manteau, sur le foutu. Obtenu porte-manteau. Fais-moi là. Manteau milieu de travail. C'est pas une grande utilité. Hein. C'est joli, mais c'est pas. Ça sert à l'air comme arme, évidemment. On n'a pas tout ce qu'il y a dans ce jeu. Alors, beaucoup de fois, d'ailleurs, t'es comparé à Borderlands. Alors, je vois pourquoi c'est Borderlands, mais c'est pas du tout la même type de patte graphique. J'ai pas joué à Borderlands, mais je vois pas Borderlands. Voilà. J'aime pas du tout l'effet un peu BD qu'il y a dans ce truc. Si vous aimez un peu les comics, c'est pas ça. Si vous aimez, vous connaissez sûrement. Alors, j'ai pas encore trouvé de mec, hein, ça fait curieux. Ah, ça me rappelle carrément l'hôtel. D'ailleurs, je fais pas de référence, je trouve que les gens de. Ah oui. Bon, si vous ne bougez pas. Ça peut brouiller au plafond. Ça c'est les mecs qui ont rentré. On va laisser finir son repas. Est-ce qu'on peut aller par là? Non. Donc on va pas le laisser finir. Bonjour monsieur. Je viens vous péter la gueule. Vous le c'est pas bien ça maintenant. Je vais vous corriger. Dans le genou là. Ah ça fait très très mal dans le genou. Parce que vous pouvez évidemment vous taper hein, si vous tapez dans le genou. Dans les pieds pour les stabiliser. Attends. Personne. Tous ces sacs. Je sens que lui, là, il va vouloir me tuer, je sais pas pourquoi. Je vais donc. Là. Te tuer, non, je sais pas. Bonjour. They lock me in! My supposed partners in crime. Guess they didn't want to split it three ways. Oh, thank God! I thought I was gonna die in here! They took the bank's armored car, but the dumb shits forgot that it has a GPS tracker. You can find it by using one of the bank's computers. Mais qu'est-ce qui te fait dire que je vais... Enfin, mais le mec, il parle que je suis associé. Je crois que c'est des sacs de billets, mais en fait, c'est des sacs pour se protéger. Je pensais que j'allais affronter des mecs, moi, dans la banque. Des humains, quoi. Et pas des... infectés. Ici. Il y avait caché un super truc, là, une fois, dans le supermarché, dans des grandes... Comment ils ont ? Un crâne. Un crâne qui permettait de faire des super armes, là. Est-ce que je vous ferai une démonstration de des grandes normales ? Les armes de fou que j'avais, c'est pire que les armes cheatées. On va fermer pour le... Le tour d'air, hein. Mais ici, on va le mettre avec lui. Attends, voilà. Ah, il passe par la porte. Parfait. Hell, it's worth taking a look. Looks like they're near the Panay Ferry Station, and they're not moving. Good. Sortez de la banque. Bon, c'était un petit passage dans la banque, hein. Et j'ai apprécié qu'ils aient... juste plutôt... tout fait maison, c'est ça? Couteau fait maison avec le couteau, c'est un gros. C'est le fusil à pompe que j'ai lâché, ça. J'ai
tellement de trucs, je peux crafter absolument n'importe quoi, je pense. Le truc qu'il faut, c'est les plans. On va continuer notre quête de la banque. On va cacher la banque, on n'a pas. C'est moins spectaculaire que sur GTA, mais ça marche. Ça a au moins le mérite de marcher. Le personnage gagne des points d'expérience. Oui, par exemple, quand je fais le truc des boîtes de conserve, là par exemple, si mon coéquipier est là, il gagne l'XP aussi. C'est-à-dire que quand on fait les missions en coop, on gagne la même XP chacun. C'est en place, il est rang, parce qu'il va, je pense, démarrer en niveau 15. Parce que quand on commande des Islands, il ne nous reste pas à niveau 0, au niveau 1, il est en 15, parce qu'on considère que le joueur a quand même déjà joué à des Islands, qui va commencer en niveau 15, et du coup, quand je vais gagner d'XP, il va en gagner aussi. Et juste gagne beaucoup d'XP, et à mon avis, il va passer à niveau très vite. Encore le même morceau de viande qui a morceau de crâne qui a giclé en morceaux. Je crée pour attaquer assez rapidement, même pas. Ah la barre de monter le lenteur, mais non, ce qui est bien, c'est que je sais que la prochaine truc, regardez, ça sera le super truc trop stylé qu'il me fallait absolument, que je voulais avoir dans des lampes, j'ai trop déçu parce que j'ai jamais pu atteindre ce truc. Là, regardez, c'est la prochaine. Il me faut juste une XP prochaine, ça. Pas pour tout de suite, hein. Le fourgon sera toujours là. Les boîtes de conserve. Alors ça, ça qui va me falloir rien à part. Ah mais tiens, il faut la replacer. Frapper. Frapper. Et c'est. À l'aise dans les menus, c'est assez bizarre. Carabine énorme, non, c'est l'autre, carabine à rafale sauvage. Là, je vais mettre la carabine énorme dans le petit truc de stock. Là. Et voilà, et là, je suis full avec la carabine, c'est une très bonne chose. Anything useful? Toujours à l'aise full. Toutes ces choses sont super utiles. De secours, ça c'est bien. Et du coup, c'est une carabine courte, regardez. On voit bien sur le truc. C'est pas un genre un M16 ou. J'adore le M16. J'ai découvert pour la première fois dans GTA San Andreas, qui est pour moi le meilleur des GTA, de loin. Même si le 5 est quand même excellent, le online plutôt, pour bien différencier GTA 5 et GTA Online. Avec des bises, des Rockstar, c'est du jeu tout à fait de faire. Alors, c'est bon. Alors, j'espère que le truc n'est pas trop loin. Il y a toujours les diamants là dans le coin. Je fais même des lieux de spawn des trucs quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans l'épisode encore, pas celui d'avant, mais encore celui encore d'avant, qu'on a réussi le trophée la tronçonneuse là. Il est où le truc? Il va falloir changer de. Map. Les trucs sont réparés, mais on va quand même aller voir là-dedans. Il y a plein de trucs sympas à récupérer. Avec cet argent, ça serait dommage de passer à côté. Je meurs moins en ce moment. C'est bien. Oh, on a un coffre en plus. Ouais. Alors, c'est beaucoup. Quand on trouvait un arme en or dans le premier Island,
Tel que dans celui-là, c'était vraiment top, quoi. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de chance, bah... Parce que j'explore beaucoup aussi, mais d'avoir réussi à trouver cette fantastique. Cette arme. Alors n'échangez jamais, parce que quand vous êtes en coop, vous pouvez changer les armes avec d'autres gens. Le truc, c'est que si par exemple, j'échange une de mes armes avec. J'allais dire, j'ai failli encore dire son pseudo. Avec l'invité mystère, il ne pourra pas l'utiliser, parce qu'en fait, c'est une arme. Les armes ne peuvent être utilisées que par certains niveaux. Par exemple, toutes les armes que j'ai, vous voyez, il est marqué niveau requis 64. C'est-à-dire qu'il faut mieux être niveau 64 pour le faire. Là, si vous regardez en haut là, le truc est marqué là, vous savez là où il y a les armes, et en dessous il y a le marqué Canavo médiéval, et encore en dessous il y a marqué niveau requis. Il faut, si je lui file ça, il ne pourra pas l'utiliser, il devra attendre le niveau 65 pour le faire. Donc quand vous ouvrez un coffre, laissez votre coéquipier l'ouvrir, hein, s'il est un niveau plus élevé, parce que sinon il va vous tomber sur une arme, bien, et qui sera disponible niveau 60, enfin de votre niveau quoi. Oh, what do we got here? Vous voyez, comme ça, si vous avez besoin d'argent, je ne sais pas comment vous voulez. C'est vraiment rare parce que vous mourrez souvent. Ce qui est normal au début quand on commence le jeu. Quand vous n'avez pas bien le coup, si vous faites que vous prenez des élans reptiles, vous allez vraiment galérer parce que l'élan reptile est plus dur que l'élan du premier. Donc si vous mourrez beaucoup, je le mets ici, si vous avez dit que mieux, sinon c'est dehors. Pour récupérer quelques trucs, vous ne pouvez pas revenir au même endroit. Hein. Même quitter le truc pour venir pour faire un peu d'argent, parce que les améliorations des armes sont extrêmement chères. Si vous n'avez pas l'argent acquis, quand vous mourrez, vous perdez vraiment beaucoup d'argent. Hein. Ils sanctionnent énormément la mort. Vous revenez avec une espèce, vous prenez pas avec une espèce d'invincibilité comme dans les jeux où vous notez un peu, vous revenez avec une espèce de barre de d'adrénaline, quoi, avec une barre de toute géante. Comme ça, vous pouvez. Alors, descendre et repartir. Je crois qu'il faut y aller. Je me suis bloqué par quoi, je ne sais pas. Voilà. Et du coup, on retourne là, mais je comprends pas. Quelqu'un est dans la ville. Je l'ai pas trouvé, je suis pas passé devant quand même. Et du coup, je me suis tapé un chargement aller-retour là, pour rien. Extrêmement énervant. Réparer une arme complètement détruite est bien plus cher que de l'entretenir régulièrement. Voilà, c'est ce que je vous expliquais. Si vous avez passé près d'un tas de craft, même si vous avez peut-être genre 87% d'usure, réparez-la. Parce que c'est beaucoup, beaucoup nettement plus cher. Hein. Pas besoin de faire avec pro calcul mental pour le faire, c'est beaucoup plus cher. Alors, vous le verrez. D'ailleurs, quand votre arme, je sais pas si vous avez vu, est très très abîmée, je vous conseille de changer, quoi. Ou pas prendre une autre. Alors, je ne comprends pas où est ce putain de camion. Parlez au colonel machin. C'est pas ça que je veux, putain. Il est où le camion? C'est pas possible. Vous savez quoi? On va s'arrêter là, on va aller vers le. Je vais regarder quand même dans mon truc, pour savoir où j'en suis au niveau des quêtes. C'était résolu, plus efficace au cas du jeu. Je sais pas quel trophée. Ah, le collecteur. Ça comme ça, je vois. Ah, j'en ai trouvé pas mal. Ah oui, j'en ai deux à trouver. C'est bien ça. Mon prochain trophée, ça. Ça va trouver que le ça c'est autre chose. Ouais. Ça va, je passe un peu de temps dans la jungle pour. Ça, dont je vous parlais, le monstre, l'énorme pour le monstre que j'ai tué là avec le cocktail Molotov la dernière fois. C'est ça, quoi. Il y a des monstres spéciaux dans chaque zone. Ok, bon. Je sais pas trouver le fourgon, bizarrement.
Je pensais qu'il était là, enfin. Something good in it. Je crois que je vais le trouver en part. Dans d'autres quêtes, hein, parce que là, je vois assez mal retourner jusque là-bas le chercher. Parce qu'il y a la part de la carte que j'ai pas découverte. Donc je vais vaguement essayer de retourner là. Et puis après, on va s'arrêter là. Je vais lui mettre un papier à moi. Ça m'intéresse pas. Alors si par exemple vous jouez avec un coop, avec un pote, vous pouvez lui changer les objets. Par exemple, si il a besoin de, je sais pas, de certaines choses pour faire des armes, vous pouvez lui passer, je sais pas, pour essayer 1, 2, 3, vous pouvez changer les objets, quoi, toutes vos armes même, si vous voulez, mais même pas faire. Hein. Par exemple, là vous avez vu, il est marqué 500 sur 1000, au début c'est 50 sur 100, après 250 sur 1, et ça obtient un renard. Il reconnaît sa posture. Pour la façon qu'il a de se mettre, je suis pas clair. Donc faites très attention aux runners parce qu'ils peuvent continuer à utiliser des coups même si vous l'avez touché. Après, ça dépend quelle arme vous avez, hein. Si vous avez un espèce énorme. Ces grosses armes font beaucoup plus lourd, je les prends à deux mains, donc elles sont plus lourdes. C'est bien, je mets dans la feu. Les runners n'aiment pas trop les armes à deux mains. Par contre, vous achetez si vous voulez, si vous trouvez dans un magasin, un canal ouf. Toutes les armes de Daniel Land existent. Toutes les armes comptent en attrape, toutes les armes de la feu dans la feu. Vous avez vu le truc? Vous avez vu? Je l'ai smashé la nana. Je l'ai smashé. Comme au volet. Alors, on continue. Voilà, là, on va se faire écraser le crâne. Voilà. La tête saute direct, quoi. S'imaginer un peu vous prendre ça dans la tête, vous mourrez automatiquement en plus que. Bref. Bon, là, on va aller directement dans le cinéma. Et on va aller un peu essayer de faire augmenter cette barbe. XP avec toute notre boîte de conserve qu'on a récupéré, je sais pas trop combien on a récupéré. Well, what do we got here? Je fais 20 là, je ne désespère pas d'échanger un jour quelque chose. Photo souvenir, alors celle-là elle bug, j'ai l'impression. Parce que ça fait 15 000 fois que je la récupère. Machette, ouh, militaire fiable. Ça, alors ça vous voyez j'en avais une comme ça, encore une fois, dans Dead Island, je l'avais mis en toxique et elle était terrible, c'est une machette militaire mais c'est monstrueux, ça c'est un truc, c'est dément, dommage que non, je la comprends parce que j'ai verte, mais c'est une arme de fou. Mécanique. Acier, marteau, non. On répare un peu notre canabot. L'invité mystère qui me demandait ce que c'était qu'un canabot. Ben voilà ça, voilà cette espèce de truc. Alors faut pas compter les trucs électriques, c'est juste une espèce de grand truc en bois. Et c'est avec un espèce de clou, ça, c'est une arme. C'est des samouraïs, je crois. Une espèce de baseball énorme. Mais vous voyez ce truc là. Mélange avec le bon médiéval. C'est sympa. Alors attendez, je vais essayer un truc. Thank you.
trop proche. Vous voyez, il y a un défi qui était là. Alors ça, il faut absolument que je le fasse pisser le Masako. Il y a plus, c'est vachement bien, je l'ai pas crafté celui-là. Je vais essayer de voir si je prends quelque chose de sympa. Genre un mode volcan comme le. Je sais pas plutôt à du coup quoi, parce que c'était le pistolet, j'ai mangé le mode volcan. On fait trouver un truc sympa pour le pistolet, parce que c'est une très bonne arme, elle est bleue. Et là, le crocodile. Le volcan, c'est quoi ça? C'est plutôt des armes lourdes. Mode éclair. Le piranha. Le moteur. Ouais, non, j'en ai pas trop besoin. Alors, je vais pas trop me faire une arme spéciale. Ouais, mon court-circuit, c'est génial. Je suis passé là tout à l'heure, j'ai même pas vu. Enclos. C'est incroyable, vous voyez, le truc était sous mon nez, je l'ai pas vu. Dans ce détail là, il y a encore plus de plans. Enfin, il y a les plans qu'il y avait dans, dans les précédents et ils ont rajouté d'autres plans. Parcours circuit, c'est quoi? Pied de biche. Oh, j'avais ça, donc, il y avait ça un peu. On continue. Un petit marteau, hein. Une petite. Ça. Bon, on tournait au cinéma. Mais quand vous touchez et que vous faites bien synchro, ça va être merveilleux. Là, il y a quand même beaucoup de mecs, donc on va pas se faire à la. Town's flooded too. Et là, go. I just hope another storm don't hit. Allez, voilà. Là. Ça, c'est toi, tiens, je te dirais. Ça a l'air que j'ai fait des lucas et j'avais écorché son pseudo. Je vais là. Je vais là. Et on arrive normalement au cinéma. Sa tête. Il y a le sang qui gifle là. Comment est-ce que je rentre? Avec cette arme là, quand vous avez des runners, c'est la tête, hein. N'oubliez pas le corps, hein, parce que ça, ils sont tellement énervés, tellement furieux, qu'ils sont capables d'ignorer la douleur. Et de. Là, j'ai visé le corps, et c'est pas super, super efficace. Alors, sa tête. Et. Alors, si vous avez Sandy, il est plus costaud, donc il y aura plus de. Il saura mieux manier les armes à deux mains, comme ça. J'aurais préféré des boîtes de concert, hein, mais c'est bien quand même. Donc, j'avais fait pour monter là-haut les gars. Un peu monter. Snack. Et ça a été fermé. Je fais tour par là-bas. Là. Par ici, je sais plus du tout. Je sais plus comment rentrer dans le studio de cinéma mince. Non, c'est pas par là. Où est-ce que c'était? C'est où ça fait là? Peut-être pas là. Ah si, peut-être. C'est le snack là. Ah oui, il y a une revue. De l'île là. Très bien. Quand vous avez trouvé tous les objets, c'est que vous avez vraiment trouvé. Vraiment aller partout quoi.
évidemment terminer tout comme le plus de blocs que vous avez terminé. Les pieds que vous avez. Pourquoi cette échelle qui se déplie? Je peux pas y accéder là. C'est pour ça. Ça va bien du coup me rendre dans ce foutu cinéma. Alors, par derrière. Je sais que moment. Something good in here? Je parle de toi. Ah, mais c'est là-haut, je pense. Ah, c'est ça. C'est une hurleuse ou alors c'est juste un revenant? Je sais pas. C'est un revenant. One shot. Ah, c'est vrai, c'est par là. Non. C'est vachement galère de trouver le. On peut explorer là-bas, tiens. Ça n'a pas pu venir par là. Comment? Attends, je vais. Il n'y a pas d'échelle. Avec cette pluie, on voit moins bien en plus. Il n'y a pas à dire, c'est génial. Comment est-ce que je vais rentrer dans ce foutu cinéma? Il faut que je rentre là. Par ici. Par ici. Ouais, c'est le cinéma, c'est pas le cinéma là. Entrepôt infecté, non, c'est pas ça. Voilà, je me saute là. Les mecs en report là, non? C'est juste là, le truc, par sa mère! Par là, je pense. Là. Mais non, là, c'est de là d'où je viens. Enfin, c'est galère de trouver la safe zone là. Donc, je suis là, il faut que je fasse. Là, c'est là, je viens de là, là, d'accord? Je vais aller par là. Ça brûlait tout droit en fait. Tout droit. Ensuite, je prends l'escalier ici. Ensuite, je prends l'escalier sur la gauche. Légèrement vers là. Ensuite, je fais. Je sais même pas si c'est. Je n'aurais même pas à distinguer les reliefs. Quoi. Là, je crois que c'est mort. Là, c'est le toit. Là. Tout ce qui est blanc, c'est le toit. Ah non, c'est par là-bas. Un demi-tour. On prend le même escalier. Là, on revient en arrière. Il doit là-bas, mais il n'y en a pas jusqu'ici. Par ici. Old Town. Ok, non, c'est pas ça. Comment est-ce que je vais sur le toit? Ça doit être par ici. Où je me rappelle. Par là. Ça c'est pas bon ça. Je me souviens d'être passé par les toits, mais est-ce que c'est le bon truc? Et non, pas du tout. Mince. Mince. Et là où c'est foutu en fait. Pas sérieux là. Il est pas là quand même. Il faut prendre une bague dans la tronche, je crois. À côté là, l'eau. Pas chercher. Tu peux voir d'ici?
bon. C'est bien. Les amis, c'est bien. C'est tout le monde de l'année, je ne sais pas. Bon, enfin, j'ai plutôt perdu mon truc là. Je pense qu'il fallait passer par derrière. Voilà, là, ça prend sur la quête de l'autre cinglé. Là, il y a les horloges là-bas, je ne sais pas comment les délais. J'arrive à arriver, c'est foutu. Attends, on va s'y mettre et faire plein d'XP parce que j'ai envie des boîtes de concert contre les. Peut-être on ira par là. Je pars par là, je pense que je prends un bref. Ah, je sais pas. En plus, il y avait un endroit hyper facile d'accès où on pouvait. Ah, si c'était peut-être par là. Si c'était par là. Ah, c'est bon, je pense que j'ai retrouvé. Ouais, c'est par là. Ah, yes. Et 6, 6. Donc, on va enlever le repère sur la carte. Il était pas bon. Voilà. Et c'est bon, il y a notre petit cinéma. On est tranquille, on est à la base. On a pas réussi le braquage de banque. Hein. Il faut trouver un fourgon. Quelle biche? Non, j'en ai un. Parfait, quelle biche. Top, top. T'as 70 000 en 39. Les armes amélioraient très très cher à 2 nouvelles. Mais on va sûrement avoir une attaque de zombies, un C4. C'est quoi ça? D'accord, oui. Ah bah c'est bien ça, ça fait barrière. Comme ça, c'est des mecs qui arrivent, quand ils arriveront, ça a dû peut-être ouvrir les trucs vers l'intérieur du... Un snack. Je vais mentionner les lampes pour la route. Parce que c'est bon que j'aime ça. La ceinture. On descend. Petit lag. Et voilà, tout le monde est là. Harlow must have decided to take her chances. See if she could get out. Do you have everything? Yeah, everything. Ah, je vais rajouter 2-3 trucs. Bien intéressant. On va acheter des kits de secours supérieurs. Ah. I don't know. Maybe Colonel Hardy is right. The military wouldn't harm one of their own. Alors, allez. The military base is still our best chance canned of getting out. Canned food is all we have here. 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 Ah ben, je haven't been able to reach the military base on the radio. Je pense que si elle vend des boîtes de concert, je vais acheter pour pas cher. Et je vais vendre à les soldats. Ça peut être pas mal, c'est un bon plan, ça va. On va récupérer peut-être 2-3 000 qui a été là ici. Non, j'ai tout ce qu'il faut. We're running out of time. Non, on a plus notre temps. We should resupply. Bon, je pense pas que le jeu soit assez bête pour me vendre des boîtes de concert. On sait jamais, hein. Non. Fucking ammunition when those bastards are closing in on you. Il est revenu
Harlow must have decided to take her chances. See if she could get out of here on her own. C'est parti des personnages que vous pouvez prendre ça. Do you have everything? Celle-là, il y a Pruna, il y a Sabine, Logan et le nouveau personnage que vous pouvez prendre. Alors lui, on va lui filer vampire de biche. Pardon, non, petite biche. Non, je suis une petite biche, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tout ce que j'ai, ouais, tout ce truc de fou que j'ai. Non, moi je veux lui filer des trucs. Alors, pied de biche, ça on va les filer. La traque lourde, haute tension, on a plus besoin. La batte de baseball aussi. La masse fiable, on va les filer. Canabo, médiéval, ça on va couvrir. Canabo, feu liquide, on lui baisse. Dommage que j'ai pas attendu pour le canabo, j'aurais pu faire un canabo violet. Ça aurait été encore mieux, onde de choc. Ça l'a même pas testé. Marteau au pied, là, c'est en garde. Tac, barbelé, ça lui en garde. Masse choc, celui-là en garde, on l'a pas essayé. Tour de tension. Et là, c'est... Ah, ça aussi. Le pistolet, là. Je vais voir ce que quoi on fait. Carabineur, bon, ça, on peut lui laisser. Parce qu'on a le cas de carabineur à flamme. Et ça, c'est tout ce que j'ai, vous voyez. Je vais avoir des trucs, j'ai 14 fusils éclairants, plein d'alcool. Supérieur, j'en ai 9. Moyen, j'en ai 15. C'est tout moyen. Sitting around gossiping won't change anything. Besides, there are more important things to do, like checking the military. Est-ce qu'il y en a un qui vend des. La trappe solide. Marteau et complètement. De construction fiable, fête de golf, de massacre, c'est bien ça. Il fait 800, hein. En plus, une arme longue, c'est pas mal. Munition de pistolet. Tout ce qu'il faut. Kit de secours, j'ai ce qu'il faut, tuyau, harpon. Mission de harpon, ouais, mais j'ai vendu, j'ai vendu du harpon. Ça me servait à rien. De l'eau, snack. Et voilà. Et voilà, Pruna aussi. Let's see if that military base is still there. C'est le personnage qu'on peut. Qu'on pouvait avoir. Parce qu'il y a deux mecs et deux femmes, c'est bien. Au moins, il y a un bon équipe. Bon, il y a un mec en plus, hein, parce que. Ça a été ajouté avec le kill, là. Voilà. Je vais essayer ça quand même. Voir ce que ça donne. Oh la vache! C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de fou? Ça va être un truc qui doit exploser quand on passe dessus. On va mettre ça, le truc à impulsion sonique là. Empoison, c'est quoi? Non, c'était éclairant, grenade, mine empoisonnée, mine explosive, mine sonique. On va mettre ça là. Donc ça c'est très... Ah non, ça c'est un autre truc ça. Putain, j'ai 10 000 trucs en fait. Enfin, je les essaye. Voilà. Comment changer rapidement sans même aller à l'inventaire. Ça fait 4800 dégâts. C'est bon ça. C'est très bien. Bon. Et sur ce, mes chers amis gamers et gameuses, je vous dis à la prochaine pour les prochaines aventures sur Dragon Reptile. Allez, ciao.